Jérémie 23:5. Voici venir les jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. On n'a pas dit ça de votre président actuel ou du président qui viendra. La Bible dit que le germe juste qui sera donné à David régnera en vrai roi. Agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. C'est en fait sous son règne que nous vivrons ce qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits, c'est en Jésus-Christ. Dans le monde des hommes, c'est l'état des droits. Juste un idéal vers lequel on ne cessera d'étendre. Mais c'est en Jésus-Christ qu'on vivra l'état de droit, l'état de justice. Parce que dans ce monde, c'est de l'injustice. Pourquoi moi je suis congolais? Parce que j'habite le Kasaï oriental. Je dois payer le même sac de farine qui est fait à Kanyama. Le même sac là, on dit qu'à Kinshasa, on le paye à 18 000 francs. Le même sac. Au Congo. Kinshasa et Kanyama. Distance. Entre Kinshasa et Kanyama. C'est la plus longue distance. Hein? Mais le même sac qui est produit à Kanyama ici, il est vendu à Kinshasa à 18 000 francs. Le même sac de maïs produit à Kanyama est vendu en Mbujimayi à 38 000 francs. 38 500. Qu'est-ce que nous vous avons fait? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Le même sac produit à Kanyama, à Kinshasa. Donc il va à Kinshasa comment? Par avion, hein? Comment il va à Kinshasa? Par avion. Il va par avion à Kinshasa. Il est vendu là-bas 18 000 francs. Le même sac vient ici. Comment il vient ici? Par camion, hein? Il est vendu ici à 38 000. Et on nous demande d'acclamer. On n'acclame pas. Nous refusons d'acclamer. Venez nous frapper. À quelle raison refuser ce maïs-là? 38 000 francs dans le changement, dans l'état des droits. Le même sac qui va à Kinshasa. 18 000 francs par avion. Parce qu'à Kinshasa, là, les gens protestent. Hein? Là, il y a les opposants. Nous, comme nous sommes les bastions du pouvoir, on nous fait souffrir. Parce que nous n'allons pas réagir. Nous allons dire non, c'est notre frère qui est au pouvoir. Mangeons le pouvoir que notre frère a. Nous leur disons que leur pouvoir là ne nous nourrit pas. Nous avons faim. Nous sommes dans le même pays. À Lubumbashi, 4 poissons chinchards, 1000 francs. 4 gros chinchards. Regardez nos frères qui sont partis là. Comment ils ont grossi. Ici chez nous, c'est combien? 1000 francs. Ici chez nous, 1000 francs, un poisson chinchard. Un tout petit d'abord. Nous avons fait quoi? C'est ça l'état des droits. Injustice, injustice, injustice. Ce pays ici a bouffé notre diamant. Quand Kabila est venu ici, est-ce qu'il avait la Gécamine fonctionnait? C'est l'argent de la Miba. On a pris même le diamant ici, le diamant qui était exposé. On l'a vendu pour soutenir, ce n'est pas la guerre. Et nous, nous payons les lourds tributs là parce que nous ne savons pas quoi. C'est ça pourquoi nous disons que Jésus-Christ vienne seulement. Que Jésus-Christ vienne. On est fatigué. Que Jésus-Christ vienne. Parce que dans son royaume, lui ne peut pas accepter que le même sac de farine produit à Kanyama, tout près de Mbujimayi, est vendu à Kinshasa 18 000 et en Mbujimayi à 38 000. Nous, vous nous avez donné l'argent. Vous croyez que nous avons l'argent? Nous avons quel pouvoir d'achat? Pourquoi c'est un écart de 20 000 francs? Ah! Et nous avons des députés. Ils viendront encore. Députés, vous reviendrez encore. Vous viendrez. Mais quand ils viendront là, parfois je serai seul à leur dire ça. Vous allez connaître. Ah, laissez seulement qu'on les acclame, qu'ils nous donnent des képis et des polos. Ça nous suffit. Nous allons leur poser la question. Tout député qui reviendra ici, posez-lui la question. Pour quel crime avons-nous commis pour que le même sac qui est produit à Kanyama, ici, tout près de chez nous, qui vient chez nous par camion, est vendu chez nous à 38 000 francs, 38 500, et à Kinshasa, 18 000. Ah! On vous a fait quoi? Mais la Bible dit, voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Qu'il vienne, ce germe juste. Il régnera en vrai roi. C'est-à-dire les autres règnent en faux roi. Il agira avec intelligence. Parce que ce n'est pas intelligent que le même sac le même sac. D'abord, nous, chez nous, ici, tout coûte cher. Un sac de ciment coûte combien? 25 dollars. Et à Kinshasa? 8,5 dollars. Nous vous avons fait quoi? Nous vous avons fait quoi? 25 dollars sac de ciment ici. 8 dollars ailleurs. Nous, 25. Parce que vous nous avez donné beaucoup d'argent. Parce que nous, ici, on a des arbres, on cueille l'argent ou on ramasse. Quand vous reviendrez, nous vous poserons toutes ces questions-là.